représente 43 ,72 francs 72 bruts de l'heure. Le salaire minimum mensuel passe donc à 7388 francs bruts par mois, soit 5844 francs 45 centimes. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, waouh, ouais, j'aimerais bien gagner 10 000 francs par mois. Euh, oui, parce que moi j'ai commencé à travailler, à l'époque on avait encore... Basculer euh, à l'euro, hein, c'était à la limite et euh, ça sonnait bien. Hein, 10, 000, 10 000 francs, euh, c'était pas mal. Alors, la conversion 10 000 francs euros, on sait la faire. Hein, on sait que 10 000 francs, euh, 1524 euros, on sait faire la conversion. Euh, sauf que si on regarde avec l'inflation 10 000 francs de euh, 2002, euh, en 2023, ça fait 2163 euros convertis avec l'inflation. Alors, ce que je me suis amusé à regarder. Par exemple, 1800 euros par mois en 2024. Le salaire moyen au conseil régional pour un agent de catégorie C, c'est 1812 euros par mois. Bah, je me suis dit, je vais regarder ce que ça représente en 2002. Si je le fais dans un sens, 2002-2023, je peux le faire de 2023 à 2002. Eh bah bien, 1800 euros 2023. En 2002, ça fait 1268 euros. C'est quand même pas ouf. Surtout qu'en 2002, le salaire moyen en France, c'était 1780 euros net. Et c'est là où je veux en venir. L'inflation, la hausse générale et continue des prix en France, elle a grignoté, elle grignote notre pouvoir d'achat. Et le compte, il n'y est toujours pas sur les salaires des fonctionnaires en France. Euh, je vais te donner zéro. Pour obtenir. Que 2024, ça soit pas une année blanche sur les rémunérations des agents du service public. Parce que pour l'instant, c'est ce que euh, dit le ministre, il n'y aura rien en 2024, donc ça, c'est pas possible. Euh, je vais te donner zéro. Bah, il faut prendre acte, hein, je veux dire. Euh... Là, c'est assez simple euh, et basique. Je vous redonne quand même les chiffres de l'inflation en France. Hein. 2022, 5,2%. 2023, 4,9%. Euh, 2024, c'est prévisionnel, c'est 2,6% encore d'inflation. Donc, ce n'est pas possible que le point d'indice de la fonction publique ne soit pas revalorisé en 2024. Ce n'est pas possible que les salaires n'augmentent pas en 2024. Tiens, je vous redonne encore un truc là que j'ai fait sur le site de l'INSEE. Hein. Euh, salaire de 1800 euros par mois en 2021, c'est un salaire... C'est l'équivalent d'un salaire de 1986 euros en 2023. Donc, euh, même si vous avez pris 200 euros entre 2021 et 2023 d'augmentation, parce que euh, vous avez été augmenté de 200 euros par mois, vous dites que c'est pas mal. Ben, en fait, c'est rien. C'est juste la compensation de l'inflation. Faites les calculs vous-même. Prenez votre bulletin de paye de 2021 et regardez ce que ça donne en 2023 avec le site de l'INSEE. Vous verrez que les augmentations qu'on a eu, ben, bah en fait, elle compense à peine l'inflation. Donc, 2024 ne peut pas rester une année blanche. Bon allez, j'arrête là pour cette fois. Pouce bleu si vous aimez cette vidéo pour soutenir, pour encourager. C'est sympathique. Ça remercie. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.